bonjour les amis bienvenue sur votre chaîne bled maralibia qui attend comme toujours votre soutien et vos chaleureux encouragements en la partageant autour de vous autour de votre famille de vos amis de vos connaissances et de vos proches je vous adresse un tout grand merci pour votre aide. Merci aussi de nous recevoir chez vous en nous acceptant parmi vous. Et merci également pour votre confiance. Dans cette treizième vidéo, nous reprenons la suite de ce qui fait débat c'est-à-dire ce qui fait la discussion habituelle entre nous autour de cette actualité du moment dans cette Afrique du Nord, c'est-à-dire dans notre Maghreb. Nous poursuivons donc cet épisode, le feuilleton que nous avons entamé dans la séquence précédente. Sur la problématique du Sahara et ce qui rôdent autour. Donc, le CQFD de Bled Mararibia donne aujourd'hui un écho à cette inter interrogation du Sahara. Donc, pour dire, pour s'interroger, après le Sahara occidental, autour maintenant du Sahara oriental. Il vous est présenté ici le deuxième épisode de ce feuilleton. Donc, au vu de ce qui a été compté dans le précédent euh, épisode, donc à quel scénario peut-on s'attendre dorénavant dans cette région et particulièrement en Algérie Et dans ce pays, présageant tout de même le retour d'un pseudo-sauveur qui est un ancien Premier ministre. Ce premier ministre, juste sorti de prison, après avoir lui aussi été jugé et condamné pour quelques lingots d'or et autres bijoux de famille bien cachés. C'était également un membre imminent auprès de l'ex-président à mobilité réduite. Par conséquent, on prend toujours les mêmes et on recommence un tour de carousel avec des chefs de la décennie noire comme si de rien n'était. Mais alors, qu'est-ce que cela veut dire Plus de deux années de revendications du peuple sont restées vaines, comme l'être morte et rien n'a abouti de tout cela jusqu'à nos jours. Finalement, l'on constate que ce n'est qu'une comédie théâtrale annonçant un éternel recommencement. Peut-être à sa tête un frère Benjamin ou cadet de l'ancien petit parrain. Auquel il lui serait joint d'anciennes premières belles-mères graciées par la volonté de l'armée. Donc, un régime tout à fait inédit qui s'annonce de nouveau, certainement non étudié et jamais ne l'a été, même dans les plus hautes facultés des sciences politiques. Tout le monde sait que le peuple algérien vit en ce moment une situation critique et il peut s'attendre au retour de cette ancienne et vieille nomenclature. Mais alors où se trouve son ancien chef de l'État Rappelons-nous, évacué de son trône à roulette. Par le Chirac. Les Algériens eux-mêmes, premiers concernés, n'ont la moindre nouvelle à son sujet. Donc, il ne leur est pas tout dit, top secret, confidentialité totale, depuis plus de deux années et même, même avant ces multiples convales convalescences. Du moins, avant ces convalescences, des communiqués étaient annoncés lors de ces diverses hospitalisations à l'étranger, à Paris, à Genève, etc. Aujourd'hui, aucune information ne circule. Motus et bouche cousues. Donc, il est légitime que la population s'interroge à son sujet. Sachant pratiquement depuis 2018, l'Algérie a vécu sans véritable président. Rappelons-le tout de même. Cette situation ne s'est produite dans aucun régime politique connu dans le monde. Quant au Chirac, il continue son expansion exponentielle dans toutes les provinces du pays, dont les membres revendiquent toujours la disparition pure et simple de ce régime répressif. Par ailleurs, c'est à partir de ce mouvement, le Hérak donc, que la crainte commence à atteindre ces quelques 800 généraux au pouvoir, appréhendant même des dissensions à l'intérieur de leur armée. En effet, des groupements pouvant se former ici et là, pour se retourner contre leur hiérarchie au regard des magnes amassés et détournés par et au profit de ces hauts gradés seulement. Les soldats du bas, pour ne pas dire du bas étage, vivent les mêmes pro problématiques que vit la majorité de la population, ce qui les rapproche de plus en plus pour constituer un début de solidarité avec les citoyens, y compris avec le Hérac même. Selon quelques observateurs bien informés des choses, de la société et autres experts en la matière, il en ressort qu'après la crise sanitaire du Covid-19, soit des États s'en sortiront plus forts et plus puissants encore, Sinon, ou sinon, à l'inverse, il y aurait des pays qui basculeraient dans une situation de déchéance, si ce n'est dans la décadence, pour ceux qui n'ont pas anticipé les transformations nécessaires dans une organisation mondialement équilibrée. Il en sera ainsi pour tous les pays, quels qu'ils soient, en n'ayant pas entrepris les changements requis par les institutions internationales. Ce qui est bien évidemment le cas de cette Algérie. De récentes informations chiffrées parviennent ici et là et un peu partout concernant cette Algérie. Et ces informations indiquent que ce pays se dirige vers le sous-développement et ce pays sera compté parmi les contrées les plus pauvres de la planète. Ce qui présage de futures éventualités très dangereuses selon de nombreux experts, observateurs et autres contrôleurs bien initiés dans divers domaines. Quasi tous envisagent une Algérie plus faible. Encore qu'elle ne l'est actuellement sur la scène continentale et mondiale. Ce qui fait ou qui fera de cette Algérie-là un pays qui n'arrive plus à se contrôler ni à contrôler son territoire de plus en plus précaire vivant sous un régime propa propagandiste. À tout cela s'ajoute la sécurité alimentaire. Un seul indice à retenir. Un indice qui caractérise ce qui se voit et qui en résume la situation des Algériens se trouvant ou se retrouvant confrontés à une fragilité jamais connue. Puisque tous les produits de première nécessité connaissent une cherté jamais atteinte à ce jour en Algérie, donc un pouvoir d'achat de plus en plus difficile à vivre pour les citoyens algérien un seul chiffre des citoyens dont 50% du revenu sont déboursés à la recherche des denrées alimentaires quotidiennes qu'ils soient fonctionnaires ou autres que feraient-ils de leurs autres 50% restants toute réponse à cette interrogation demeure libre d'imagination lorsqu'il s'agit ici uniquement de se procurer une nourriture journalière. De plus, il y a une multitude de chiffres qui prêtent à sourire. Et le président actuel, actuel lui-même, évoquait la problématique du pain. Sans oublier la crise de la sardine, la crise des pâtes, la crise du lait et des produits laitiers qui sont toujours des crises. Qui se perpétue depuis des lustres. On revient jusqu'à vendre le lait des anes. Le lait, je dis bien, le lait des anes. Si ce n'est leur viande, n'est-ce pas là un danger probant pour les consommateurs du pays Dès lors, quand il fait vraiment ces généraux, ou plutôt quand, quand il fait euh, de rien. Dans ce pays, euh, au regard des milliards d'euros gaspillés et volatilisés dans la nature. Pire encore, ce même régime ose annoncer à sa population qu'entre entre 480 000 je dis bien 480 000 et 500 000 tonnes de céréales ont été grignotées par les seuls pigeons. Une nouvelle fois, n'est-ce pas là des chiffres qui prêtent à sourire? à moins que ce soit des perdros ou autres volailles inconnues de notre planète se soient associées pour dilapider ces 500 000 tonnes de blé. une situation plus que dangereuse révélée par des chiffres et statistiques sortis directement d'études démasquant l'image actuelle de cette Algérie. Un pays qui possède tout de même des ressources naturelles qui normalement font de lui une euh, richesse continentale en matières premières. Toutefois, un pays sans diversification de production, ce qui est son point faible puisque la population a été habituée de vivre sous assistance grâce à l'importation. Ces derniers temps, un exemple flagrant est apparu au grand jour, la problématique de l'huile de table, l'huile d'alimentation. Des images de télévision montrant des files, des files entières de gens se disputant les bouteilles d'huile. Qu'est-ce qui a fait pour en arriver jusqu'à ce point, alors que tous les médias en faisaient écho par anticipation un sujet concernant directement la sécurité alimentaire du pays qui a négligé complètement la, la population qui désormais est confrontée et même menacée par la famine. Voici à présent en quelques mots comment pense cet État aux mains de militaires. En effet, y a-t-il un pays dans le monde qui continue d'importer de la nourriture pour ses volailles, alors qu'il en est excédentaire. C'est aussi le cas de cette Algérie, ce qui rend le prix de ses volailles hors de portée pour tout acheteur algérien. Donc, nous voyons que tout est lié ou tout est relié à la vie quotidienne de l'Algérien moyen, faisant face à l'approvisionnement de ses besoins vitaux. Pendant ce temps, le président continue de discourir à propos du pain pour que ses concitoyens euh, ne se débarrassent de leurs petites miettes. Et c'est là qu'apparaît la crise de cette nouvelle Algérie, à laquelle aspiraient tout Algérien, alors qu'on vient leur parler du pain quotidien dans un pays exportateur de pétrole. Et de gaz. Voilà nous sommes arrivés euh, à la fin de cette séquence ainsi euh, de la fin de notre séquence et de notre di euh, discussion. Euh, donc au plaisir de nous retrouver pour un prochain débat. Pour ma part je vous remercie pour votre euh, attention, pour votre confiance et pour votre euh, fidélité. Aussi, je vous prie de ne pas oublier euh, de nous aider, surtout d'aider votre chaîne Bled Mararibia -E en vous y abonnant massivement, euh, en cliquant sur la petite main au pouce levé et d'activer la petite clochette pour recevoir la suite de ce feuilleton via des séquences vidéo. Je vous dis au revoir les amis al salamu salam alaykoum wa rahmatullah. à la prochaine fois et à bientôt il liqa fi hissa ukhra inshallah à bientôt salam alaikum.